le chef de l'État à la cérémonie de clôture de la 55e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et autres a eu lieu ce samedi 31 octobre 2020. Comme annoncé lors de son adresse à la nation, les consultations présidentielles vont pouvoir débuter ce lundi 2 novembre 2020. Déroulée dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, la deuxième rentrée judiciaire du Conseil d'État a eu lieu ce vendredi 30 octobre 2023. Bienvenue dans cette édition du journal sur la chaîne de l'éducation, dont l'actualité, cérémonie de clôture de la 55e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et des défenses, samedi 31 octobre 2020, une cérémonie présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. François Sanga, son parrain. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce samedi 31 octobre 2020 la cérémonie de la clôture de la 5e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et de défense, session réservée aux officiers supérieurs et généraux, parrainée par le président de la République gabonaise, ainsi que la 3e session spéciale réservée aux hauts cadres des institutions de la République et dont la marraine se trouve être la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakiro Tshisekedi. C'est ainsi que l'institution a réussi en formation lors de la session qui s'est terminée des officiers supérieurs du Gabon et du Burundi. Ces officiers étrangers proviennent généralement de la CDAO et de la CAC. Par ailleurs, lors de cette cérémonie, l'on a aussi procédé à la remise des titres académiques aux lauréats de l'École supérieure d'administration militaire. Il faut préciser que l'instruction qui est administrée est offerte par des experts de haut niveau, notamment ici de l'armée française. Interrompue plus de 3 mois à cause de la Covid, la formation des hauts cadres de ces collèges a repris IAP grâce aux visioconférences. Prenant la parole, le chef d'état-major général des FRDC a révélé que l'école de guerre de Kinshasa en chantier sera opérationnelle incessamment en partenariat avec la République française. Il s'est de signaler que tous les cours de ces modules sont dispensés par des professeurs, officiers généraux ou colonels experts de leur domaine et venant de quitter les services actifs de l'armée française. Tous cumulent au moins 30 ans d'expérience professionnelle. Nous devons préciser ici que le poste de directeur des affaires académiques est réservé à un membre de l'Institut Tennis pour assurer une bonne cohésion dans la procédure d'évaluation des stagiaires et des intervenants. Après un tour d'horizon dans la sous-région et en Afrique en général, sur l'existence des écoles de ces niveaux, nous constatons sans nul doute que l'École supérieure d'administration militaire reste aujourd'hui le premier et même l'unique cadre d'enseignement de ces niveaux dans ces domaines au regard du programme de formation offert et du profil des intervenants qui y enseignent. Il est à noter que la clôture de cette 5e session ordinaire s'est déroulée en présence des représentants de toutes les institutions de la République, dont le Premier ministre, les membres de la Cour constitutionnelle, les représentants des 2 bureaux des 2 chambres du Parlement, ainsi que les hautes autorités militaires. Comme annoncé dans les titres prévus cette semaine, les consultations présidentielles débutent le lundi 2 novembre 2020, suivez le porte-parole du chef de l'État. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à l'adresse à la nation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du vendredi 23 octobre 2020, il est porté à la connaissance du public que les consultations présidentielles annoncées vont débuter ce lundi 2 novembre 2020. L'ordre de réception des différents regroupements, associations, corporations et personnalités est indiqué dans les invitations qui leur ont été adressées. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2020, professeur docteur Désiré Cachemire Collongel Héberande, directeur de cabinet intérimaire. Toujours dans l'actualité, les conseils d'État procédaient à l'ouverture solennelle de sa deuxième rentrée judiciaire pour l'exercice 2020-2021. Le vendredi 30 octobre 2020, la cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Jeanette Bézodel-Fantoum, vous l'avez été là présent.
Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le premier président du Conseil d'État, Félix Oundouaoué, a indiqué dans son allocution que sur 326 affaires en annulation au premier et dernier ressort, 24 ont déjà été prononcées et 45 en cours d'examen. Cette rentrée judiciaire au Conseil d'État a comme thème les premières décisions phares du Conseil d'État. Ceci sera d'un apport certain dans la qualité de gestion aussi bien de nos provinces, de nos entités territoriales décentralisées. Sur ce, je déclare ouverte l'année judiciaire 2020-2021 du Conseil d'État. Et je vous remercie. Du côté du bâtonnier national Matadi Wamba, ce dernier est revenu sur l'affaire Jean-Marc Kabound contre Jeannine Mabunda et celle opposée à Laurent Tikimakwedi contre le magistrat Maswani Machi. Le procureur général près le Conseil d'État a tablé sur l'exécution de décisions des juridictions de l'ordre administratif. Signalons que cette rentrée judiciaire au Conseil d'État a connu la présence du directeur de cabinet intérimaire, du chef de l'État représentant le président de la République, le vice-premier ministre de l'Intérieur représentant le premier ministre et d'autres membres du gouvernement. À la primature, le premier ministre accompagné du vice-premier ministre, ministre du Budget, a déposé ce vendredi 30 octobre 2020 le projet de loi de budget exercice 2021 au bureau de l'Assemblée nationale, évalué à 6,9 milliards de dollars américains. Selon Sylvestre Ilunga-Ilunkamba, ce projet est réaliste car il bénéficie d'un appui des partenaires extérieurs. Suivez-le au micro de Joël Nomakoy. Nous venons de nous acquitter d'une obligation constitutionnelle, celle de déposer le budget avant le 1er novembre. Le projet de budget 2021, sa configuration se présente de la façon suivante. Il est présenté comme l'exige la loi en équilibre recettes-dépenses et il s'analyse en termes de 6,9 milliards de dollars américains. C'est une régression par rapport au budget 2021 de 23.2. Donc c'est un budget réaliste qui présente une progression par rapport au projet de budget rectifié qui a été présenté ici par le vice-premier ministre, ministre du budget. Et donc, nous avons pu, en discussion avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme, nous avons présenté un budget réaliste et nous nous engagerons, selon dès une fois voté, à ce que nous puissions le réaliser conformément à la loi qui sera promulguée. À tout cela, nous avons depuis, si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, toutes les deux semaines, il y a le vice-premier ministre, ministre du budget, présente au niveau du Conseil des ministres les efforts déployés par le gouvernement pour la mobilisation de recettes. Et dans ces efforts, il y a la lutte contre la corruption. Et puis au cours d'une réunion tenue le jeudi 29 octobre 2020 à Kingakati, les députés et sénateurs du Front commun pour le Congo ont renouvelé leur loyauté à leur autorité morale, Joseph Kabila Kabongi. Je vous propose de suivre leur déclaration dans cet extrait choisi pour vous par Berlino et Kaya. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitérer à vous notre autorité morale, Son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ce moment crucial de l'histoire de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Nous vous prions, Excellence, autorité morale, de compter sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC
pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membre du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence défend. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Que Dieu bénisse le FCC, son autorité morale et la République démocratique du Congo. Nous avons dit et vous remercions. Et puis sachez-le aussi que l'initiateur du mouvement citoyen Debout Congolais, syndicat de Koulou, a tiré sa révérence le jeudi 29 octobre dernier à Dubaï, de suite d'une plongée sous-marine. Commentaire. Bonsoir à tous. Selon le membre de sa famille, Sindika Dokolo, l'homme d'affaires et collectionneur des œuvres d'art, ancien propriétaire d'un holding composé notamment de banques à Kinshasa, Omnisa et autres, gendre de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos, est décédé le jeudi dernier à Dubaï, à l'âge de 48 ans, de suite d'une plongée sous-marine. Congolais d'origine, porté au devant de la scène après la disparition de son père Dokolo, mais surtout son mariage avec Isabelle dos Santos, la fille aînée de l'ancien président angolais, présentée comme l'une des femmes les plus riches du continent africain. L'Afrique est obligée de se projeter dans le 21e siècle. À un moment, elle est toujours un réservoir de croissance pour le monde entier et d'enrichissement, à part pour l'Afrique elle-même. Je pense qu'il faut effectivement que nous, les Africains et les Afro-descendants, mais également... C'est un fait qui s'établit pour le monde entier, que nous arrivions à réfléchir sur à quel point nous sommes orphelins de l'Afrique. Vous savez, ce concept de mémoire fantôme, lorsqu'on vous ampute une jambe, par exemple, vous avez une démangeaison où l'orteil vous gratte, mais il vous gratte terriblement, et vous êtes absolument persuadé que c'est votre orteil, même si vous savez... Sindika Dokolo s'est signalé sur la scène politique congolaise en lançant en 2017, à partir de Paris, en France, le mouvement citoyen Debout Congolais. C'était dans le cadre des actions de pression sur l'ancien pouvoir en place à Kinshasa, incarné par Joseph Kabila Kabongé, qui était parti pour un glissement de mandat à durée indéterminée, après avoir purgé ses deux mandats constitutionnels de 5 ans et qui s'accrochait à son poste, affichant des velléités claires de briguer un troisième mandat. L'existence précède l'essence, l'existence... C'est-à-dire les actes que vous posez, les choix que vous faites définissent ce que vous êtes. C'est exactement le défi que se pose à l'Afrique aujourd'hui, aux Africains. Définir nous-mêmes ce que nous sommes, redevenir le centre de notre, le siège de notre propre pensée et de notre propre regard sur le monde. Merci beaucoup. Revenons sur cette information. Le 3 octobre de chaque année est dédié à la Journée mondiale de la vie. Pour cette année, le thème choisi est « Maintenir toutes les formes de vie sur la Terre ». En effet, ce jour vise à préserver la vie humaine. Les explications avec Agathe Nézi et Olivier Mawila. Maintenir toutes les formes de vie sur Terre, tel est le thème autour duquel l'humanité tout entière a célébré ce vendredi 30 octobre la Journée mondiale de la vie. Pour ce qui est des savoirs, la place de la vie sur le plan juridique, Maître Robert Kayenga Sungu explique. Dans la constitution du 8 février 2006, l'article 16 commence par le premier alinéa qui dit « La vie humaine est sacrée, l'être humain est sacré ». Et puis, l'alinéa dit « Toute personne a droit à la vie ». Et cette même disposition légale est reprise dans beaucoup d'autres instruments internationaux que la RDC a ratifiés. La Convention sur le droit de l'homme, toutes les autres conventions internationales que la RDC... Et qui disent que la vie humaine est sacrée. La vie, c'est l'existence même de l'homme. Parce que sans la vie, l'homme ne peut pas exister. Et donc, puisque la Constitution reconnaît à tout le Congolais le droit à la vie, puisque la loi même dit que la vie, elle est même sacrée. Donc, ce qui est sacré, madame, c'est ce qui se rapporte à Dieu. C'est ce qui, quand on dit que c'est sacré, c'est-à-dire que ça,
ça nous dirige directement vers Dieu. Parce que Dieu est le seul à être sacré aussi. Selon Maître Robert Kainga Sungu, la vie est tout d'abord un droit pour chaque être humain. Et la vie, madame, c'est le premier droit de l'homme. Le tout premier droit de l'homme, c'est celui-là, la vie. Parce que tous les autres droits de l'homme dépendent de celui-là. C'est-à-dire que si on ne préserve pas ta vie, tu n'auras pas droit à la liberté. Donc on commence d'abord par celui-là. Il est intangible, il est absolu. Le droit de la vie est absolu. Donc on ne peut même pas... Déjà, je vous ai donné le soubassement d'abord biblique et je vous donne le soubassement constitutionnel qui veut que tout le monde ait droit à la vie. Par rapport à notre pays, avec l'avènement du chef de l'État, l'actuel, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, il y a beaucoup d'avancées. Madame, je vais vous donner un exemple. Je vous parle en tant qu'avocat et praticien du droit. Vous savez que les cachots de l'ANR n'existent plus. Madame, vous, peut-être vous n'avez jamais, mais il y a des gens qui en parlent, hein, les GECOCO et les autres. Mais nous, quand vous alliez à l'ANR, on ne vous recevait même pas comme avocat. Alors que la Constitution dit que toute personne a le droit de se faire assister quelqu'un de son choix, l'article 19 de la Constitution. Mais quand vous allez à l'ANR, on vous dit que vous ne pouvez pas assister les gens. L'ANR avait des cachots. Et dans quelles conditions on gardait des Congolais là-bas? Et on torturait les gens. Et ça, c'est connu, ce n'est un secret pour personne. Quand on vous arrête à l'ANR, tout le monde... Si vous êtes dans votre famille, non, on a arrêté votre frère, il est à l'année, madame. Vous savez comment la famille réagissait? Même nous qui étions avocats, quand vous allez là-bas, on te chasse comme un malpropre. On ne reconnaît même pas vos droits. Mais aujourd'hui, tous ces cachots-là sont fermés. On retient pour l'essentiel, cette journée célébrée chaque le 30 octobre de l'année a pour objectif principal préserver la vie humaine. Dans le même registre, le pasteur Nicolas Moleko revient sur le souhait de Dieu face à la vie humaine. Suivez-le ici dans ses propres cahiers par Agathe Mizi et Suleiman Kalunga. Pour la vie, la vision de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Dieu ne souhaite pas la mort, bien la perte des gens, bien la perte de l'humanité. Dieu souhaite à ce que tout le monde ait la vie, et pourquoi pas la vie éternelle à la fin. Parce que nous avons deux sortes de vie. Nous avons la vie sur cette terre d'homme. Nous vivons sur la planète Terre et selon les Écritures, il y a aussi une vie de l'au-delà qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça le souhait de Dieu. Pour maintenir la vie sur toutes ses formes, en tout cas, moi, je connais un peu de la Bible. Je ne peux pas aller en dehors de mon métier parce que vous m'avez bien appelé pasteur. Bon, je ne vois pas une vie qui doit être bien dirigée si c'est en dehors de la parole de Dieu. Une vie est bien conduite dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc en dehors de Jésus, je ne vois pas aucune autre vie à travers laquelle nous devons nous orienter. Et pour terminer, le ministère public a condamné le jeudi 29 octobre dernier 4 détenus sur les 17 poursuivis pour avoir commis des infractions de vagabondage. L'audience foraine a eu lieu au commissariat urbain de la Gombe en présence du commissaire Hugo Mundelengolo, témoin de l'événement, Sarah Kindila et Suleiman Kalunga. Ils étaient au total 17 jeunes hommes présentés le jeudi 29 octobre dernier au commissariat urbain de la Gombe que dirige le commissaire Hugo Mundelengolo en audience foraine par le ministère public pour des infractions de vagabondage. Cette opération musclée entre dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa. En effet, après débat et réquisition du ministère public, sur les 17 détenus, 13 ont été acquittés et 4 autres écopent une peine d'une année. Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu les décrets rois souverains du 23 mai 1896 relatifs au vagabondage et mendicité, spécialement en ces articles 1er, 2e et 4e, le ministère public entendu dit non établi en fait comme on voit l'infraction de vagabondage et mendicité.
santé, mise à charge de tous les prévenus prénommés, les acquittes et les renvois de fin de toute poursuite judiciaire sans frais. Mais les frais de la présence à instance à charge du trésor public. La présidente de chambre, Massé Vernon-Ursula, et Ngou Diallo Kodjé, une position à l'État pour une année. L'État congolais a quand même pour s'occuper la ville. Prévu par le décret loi du 23 mai 1896, modifié par le décret du 11 juillet 1923 en son article 4 qui stipule que toute personne se trouvant dans la loisivité et en se baladant dans la ville sans rien faire est passible de tomber à l'infraction de vagabondage. Fin de cette édition du journal, dont voici le rappel de principaux titres. Présidée par le chef de l'État, la cérémonie de clôture de la 75e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et autres a eu lieu ce samedi 31 octobre 2020. Comme annoncé lors de son adresse à la nation, les consultations présidentielles vont pouvoir débuter ce lundi 2 novembre 2020. Déroulée dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères, la deuxième rentrée judiciaire du Conseil d'État a eu lieu ce vendredi 30 octobre 2020. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Franck Asanga. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tondoula, Guilhem Mbabia, bienvenue à tous. Restez branchés, mettez la barre COVID-19. Bon week-end chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.